Au programme de la balade, des cols, des paysages, des lacs, des virages, des lignes droites, du soleil. Je vous laisse profiter. On arrive sur Chanaz, fameux petit village bien connu des motards. Petite pause café, on se pose au bord de l'eau, on prend le temps et on repart. Ah putain, c'est trop beau. Enfin j'y suis, cette vue, ça fait un moment que je la regarde. Où ça? Depuis Google Maps. Maintenant, elle est devant moi. Après cette vue carte postale, on va longer le lac du Bourget, direction Annecy. Faut quand même l'avouer, passer son permis moto, apprendre à conduire dans un cadre comme ça, y'a rien à dire, c'est le top. Voilà, on arrive au bord du lac du Bourget. Ça nous a scotché, on a vraiment apprécié ce moment, longer le lac sur quelques kilomètres. Vraiment très agréable. J'ai rien compris. Bienvenue à Annecy. Une demi-heure, trois quarts d'heure de pause déjeuner, Annecy reste vraiment une des villes que j'apprécie le plus. Lac, montagne, cadre idyllique, en gros tous les critères sont réunis.
sympa par là. Fireflies, I'm killing little pieces. Feed the dying light, it brings me back to life. Nice. In your eyes, I see something to believe in. Your hands are like a flame, your palms are sweet as pain. Let the darkness lead us into the light. Let our dreams get lost, feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful lie. On va arriver sur le col du Semnose. Comme vous pouvez voir, le temps n'est pas de la partie. J'ai vraiment l'impression que les cols là-bas me font la gueule. La balade est terminée, 7 heures résumées en 8 minutes, ça reste relativement sport. Je sais qu'il y en a qui apprécient, donc je laisse le roadbook en description. Et comme à mon habitude, je vous dis vivement la prochaine.